بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي On aimerait revenir sur un passage qui a été lu hier. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون jusqu'à la fin de ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique qui sont les vrais musulmans, qui sont les vrais mu'minoun, et Allah ta'ala explique quelles sont les actions que ces musulmans-là accomplissent. Et d'abord, les mu'minoun, ce sont ceux qui ont bien sûr ont la foi en Allah, ça c'est clair, voyez, et qui on s'attifasse aussi à ta'iboun. La ta'iboun, c'est quoi? Ce sont les personnes qui demandent régulièrement pardon à Allah. Et ça, c'est important. Régulièrement demander, faire istighfar. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à peu près 66 fois istighfar par jour, alors qu'Allah ta'ala avait déjà pardonné tous ses péchés. Également, parmi les sifat des vrais musulmans, al-'abidun. Et al-'abidun, ce sont les personnes qui font tous les actes d'adoration, que ce soit les faraz, les wajibat, les actes nafil, mustahabbat, qui restent fermes dans toutes les sortes d'actes d'adoration. Al-Hamidun, et ça c'est extrêmement important, ceux qui remercient toujours Allah Ta'ala dans toutes les situations, dans les situations difficiles comme dans les situations de bonheur. Et très souvent, quand nous avons des situations de difficulté, ben nous pensons à Allah. Nous retournons vers Allah, nous demandons toi, nous demandons l'aide à Allah. Et puis quand Allah Ta'ala envoie l'ouverture, quand ça va un peu mieux, ben malheureusement, ça c'est humain, parfois on retourne vers nos habitudes et on oublie qu'Allah nous a aidés et on oublie très souvent dans quelle situation j'étais. Parfois même il y a des gens qui sont malades, parfois pendant un mois ils sont malades, mais là ils font doigt, ils font zikrullah, etc., etc. Et puis lorsque, alhamdulillah, ça va mieux, ils continuent à remercier Allah un jour, deux jours, mais après un moment donné c'est comme si il ne s'était rien passé. Ça c'est, je ne dirais pas que c'est humain, mais ça c'est de l'ingratitude. L'ingratitude c'est qu'après qu'Allah vous ait aidé, que vous ne restez pas reconnaissant. Car l'être humain intelligent, c'est celui qui retient les leçons de la vie. Vous voyez? As-sa'ihun, parmi les sifats du musulman, ce sont les personnes qui se déplacent pour le din, que ce soit pour l'accomplissement du hajj, du umrah, ou là pour talab al-ilm. Ce sont des gens qui se déplacent, qui font un effort sur leur corps pour le din d'Allah. Ar-raki'un as-sajidun, ceux qui restent fiers de la salat et tous les gens de salat faraz comme nafil. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Et enfin, wal-hafiruna li hududillah, ces personnes également, les vrais mu'minines, ce sont ceux qui, en même temps, ils savent qu'est-ce que Allah Ta'ala a fixé comme limite. Donc, ils ont la science religieuse concernant les obligations et les interdits. Alors pourquoi on a voulu absolument, alors qu'il y avait beaucoup de passages extrêmement intéressants, mais on a voulu absolument citer ces sifat pour qu'on comprenne bien que notre dîn, c'est un dîn qui est shamil, qui est complet et qui touche toutes les facettes du ibadat. C'est pas juste que je reste à la masjid, je fais des ibadat en quantité et je serai un bon musulman. Non. Je peux être un grand abid, ça c'est quelque chose que je dis toujours, on peut être un grand adorateur d'Allah, mais un très mauvais mari. On peut être un grand adorateur d'Allah, un excellent mari, mais un très mauvais père. Vous voyez? Donc, être musulman 100%, c'est en même temps, si on suit le planning fixé par ce ayat, en même temps avoir le iman, en même temps penser toujours à ses péchés, retourner toujours vers Allah dans toutes les situations, en même temps faire les a'mal, les salihah, les bonnes actions, en même temps, dans des situations de bonheur comme de malheur, penser à Allah. Il y a des gens qui font beaucoup ibadat, mais dans une difficulté, c'est comme si qu'ils perdent des pédales, ils s'affolent, ils oublient qu'il est interdit, ils oublient que c'est Allah qui envoie la maladie, qui envoie les difficultés pour un objectif particulier. Donc, ça veut dire qu'il y a, le iman n'est pas complet en eux. Et en même temps, se déplacer, faire des efforts pour le dîn d'Allah, en même temps, réguler des salats, de tous les ibadat, en même temps, prendre souci pour son prochain, fikar ummat, ordonner le bien, interdire le mal, et surtout le dernier point, al-hafidun al-hududillah, c'est en même temps apprendre la science religieuse, savoir quelles sont les obligations, quelles sont les limites. Et ça nous rappelle une fois le Prophète sallam avait réuni ses sahaba un matin, il avait dit, man asbaha minkum sa'ima,
Qui parmi vous s'est réveillé en état de jeûne, qui a fait un jeûne nafil? Boubacar a levé la main, dit moi au prophète d'Allah, c'était le seul. Puis le prophète dit, qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Boubacar dit moi au prophète d'Allah. Le prophète dit, qui parmi vous a nourri un pauvre? Abu Bakr le seul qui l'a aimé, moi au prophète d'Allah. Qui a été avec un janaza? Moi au prophète d'Allah. Là on comprend qu'Abu Bakr, il avait compris que, il avait compris la polyvalence de la religion. C'est pas juste, je reste dans la masjid, ou là juste je fais da'wa ilallah, ou là juste je fais telle chose. Non, être musulman complet, c'est pratiquer la religion dans son ensemble, dans les ibadat, dans les akhlaq, dans les mu'amalat, dans les relations familiales. Ça c'est le vrai musulman. Parmi les versets qui ont été lus également, un verset très intéressant. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. À la fin de ce verset, Allah Ta'ala, il explique comment le Prophète sallam est bienveillant. Il a pitié et muhabbat pour son, pour sa ummah. Pour illustrer ça, pardon, deux histoires. Une femme sahaba qui avait fait un péché, elle avait fait le zina une fois, et elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète d'Allah, ya Rasulallah, tahirni. Elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète d'Allah, j'ai fait le zina, je demande à être puni comme la charia le demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement de pitié dans son cœur, elle savait que cette dame attendait un enfant, et elle ne voulait pas que cette personne subisse la charia, la loi d'Allah. Elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souhaitait que cette personne, qu'elle demande pardon et qu'elle ne revienne plus. Elle dit, ben, là tu attends un enfant, ben, finis ta grossesse et quand tu auras ton bébé, reviens. C'est-à-dire dans 8 mois, 7 mois, 8 mois. Et le prophète a l'espoir, les commentateurs disent, le prophète a l'espoir que cette femme ne revienne plus, qu'elle demande pardon et puis c'est fini. Elle revient. Ça, c'est pour montrer comment sahaba avait iman. Pourtant, elle sait que l'application de la sentence pour le zina, c'est quelque chose de très pénible. Mais elle préfère ça plutôt que de rencontrer Allah avec ce péché sur son dos. Ça, c'est un degré d'iman qu'on ne peut même pas concevoir. Elle revient des mois et des mois après avec son bébé dans les bras, dit au prophète d'Allah, voilà, j'ai eu mon enfant, maintenant purifie-moi de ce péché. Vassam me dit, ton enfant a encore besoin de toi, il boit avec toi, laisse-le un peu grandir, quand il sera après le sevrage, lorsqu'il pourra manger de lui-même, là tu reviens. Et là aussi, Vassam, il pense que peut-être qu'elle va demander tawba, elle ne reviendra plus. Et elle revient, après des mois et des mois, l'enfant maintenant il boit plus de lait que sa maman, l'enfant il vient avec un morceau de pain dans la main, et le prophète voit cette dame, et cette dame dit, oui, ya Rasulallah, tahir, et là le prophète est obligé d'accepter, et puis la sentence est appliquée. Et lorsque la sentence est appliquée, il y a une personne qui ose dire une parole déplaisante par rapport à cette personne, et là le prophète dit, ce sahaba dit jamais, en ce sens ne dit pas ça. Elle a dit, cette femme, elle a demandé un pardon tellement sincère à Allah, que si son pardon a été distribué sur toute Ahlul Madina, Allah les aurait tous pardonnés. Ça c'est hadith ça. Elle dit tellement cette dame elle a demandé un tawbah sincère avec Allah, elle a pleuré auprès d'Allah. Son tawbah avait une telle valeur que si Allah il prenait juste le tawbah de cette personne, ce tawbah était suffisant pour que toute la population, toute la ville fût pardonnée tellement c'était un tawbah sincère. Ça c'est une leçon. Mais on voit comment le prophète avait raham de son cœur pour les musulmans. Également une fois dans le riwayat il dit, le prophète vous avait raconté ça. Et une fois, une personne vient voir le prophète, dit au prophète d'Allah, et accuse que cette personne a volé. Vous connaissez quoi la sentence? Et là, le prophète demande à cette personne, est-ce vrai que tu as volé? Et le prophète lui dit, dis non, oh là! Le prophète ne veut pas que cette personne ait la main coupée. Il dit, tu as volé? Dis non! Et ça, c'était pour comprendre comment le prophète avait raham dans son cœur. Il ne veut pas que cette personne subisse ses difficultés, tellement le prophète sallam, parce que le prophète il sait que lui en tant qu'amir, si la nouvelle lui est parvenue, il est obligé d'appliquer la sentence. Alors c'est une petite anecdote pour comprendre comment le prophète sallam avait muhabbat pour sa ummat. Et puis aujourd'hui on a lu sourate Yusuf, on va terminer avec ça. Alors sourate Yusuf lui-même, ça nécessite des années pour commenter, tellement c'est ahsan al-qasas, c'est la plus belle des histoires. Mais si on devait tirer des leçons de sourate Yusuf, ben tous les soirs on aurait pu parler de sourate Yusuf, tellement sourate Yusuf c'est riche en histoire. Qu'on comprenne juste une parole, c'est que l'honneur et le déshonneur c'est dans les mains d'Allah. Allah élève qui il veut, même si tout le monde vous veut du mal, Allah il veut vous élever, il va vous élever. Si tout le monde veut vous élever et Allah veut vous rabaisser, Allah il vous rabaisse. Qu'il l'arma malika al-mulk, tu'fi al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka biman tasha. Allah il détient le mulk, il donne le pouvoir qu'il veut, il reprend de qui il veut, etc. etc. Wa tu'izzu man tasha. Allah il donne l'izzat à qui il veut, l'honneur, et Allah il déshonore qui il veut. Alors regardez Yusuf alayhi salam avec ses frères. Voyez, déjà on voit comment la jalousie ça peut aller loin. La jalousie c'est vraiment la pire des choses. Un musulman ne doit pas avoir un pourcentage de jalousie dans son cœur envers son prochain. Même si mon voisin il a une grande villa, une piscine, il a une Mercedes, alors que moi je suis d'un HLM, j'ai pas tout ça, mais qu'on comprenne bien que le rosi,
il y a eu taqsim al-rizq. Avant la création, Allah il a déjà écrit qu'est-ce qu'on aura comme rosi, qu'est-ce qu'on aura comme revenu, comme ressource jusqu'à la mort. Ça, c'est Allah qui décide. Si Allah lui a donné beaucoup, Allah m'a donné moins, il y a une sagesse pour lui, il y a une sagesse pour moi. Et ça, il faut bien comprendre. Parce qu'un hadith, c'est incroyable. Ça, pour ça, on dit qu'il y a certaines personnes pour lesquelles Allah Ta'ala, il sait que uniquement la richesse peut aller pour cette personne. Que si cette personne était pauvre, sa pauvreté aurait pu lui amener vers le kouf. Et pour d'autres personnes, Allah Ta'ala, il savait que c'est que la pauvreté qui pouvait lui aller. Que si cette personne avait été riche, ben, sa richesse aurait été une source de péché. La personne, si elle avait des biens, elle avait de l'argent, elle aurait fait quantité et quantité de péché. C'est-à-dire qu'Allah, il connaît à qui il faut donner, à qui il ne donne pas. Et ça, c'est la sagesse sans limite d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sagesse extraordinaire d'Allah. Alors, regardez la jalousie des frères de Yusuf alayhi salam qui les ont poussés à... certains voulaient tuer leur frère, et d'autres, ils ont dit, ben d'accord, ce qu'on fait, on va le jeter dans un puits. Hein. Donc, ils voulaient jeter Yusuf alayhi salam de l'endroit le plus profond de la terre, un puits. Et Allah Ta'ala a décidé que Yusuf alayhi salam sort de ce puits, et Allah l'élève jusqu'à ce qu'il devienne ministre des gestions, de l'agriculture et tout, de tout le pays. Ils l'ont mis... le trou le plus profond de la terre, Allah l'a enlevé de ce trou pour le mettre sur un trône en tant que ministre, et puis il reçoit par la suite, on passe du début jusqu'à la fin de l'histoire sans passer au milieu, il reçoit à la suite son père, ses parents, il reçoit ses frères qui lui avaient fait autant de mal, et qui maintenant se prosternent devant lui et demandent pardon. Ça c'était juste une leçon pour comprendre que l'honneur et le déshonneur sont dans les mains d'Allah. D'Ahil Qasam dit, « Wa'alam » يعلم أن الدنيا أو سنس لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف وزمجي كسرش كسي l'univers entier se réunissait pour te faire du mal, ils ne te feront aucun mal si ce n'est ce qu'Allah a déjà écrit dans ton destin. Et c'est l'univers entier. Vous avez tous les supports, les gens, vous avez besoin de travail, vous avez les pistons, vous avez le maire avec vous, le préfet, vous avez le commissaire de police, vous avez toutes les personnes qui sont riches, qui sont célèbres, ils vont vous aider. Mais si Allah veut vous déshonorer, si Allah ne veut pas que vous ayez un bien, ils ne pourront rien vous apporter si ce n'est ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. Quand « Rufi'at al-aqlam », le stylo, le qalam est déjà levé, c'est-à-dire le destin est déjà écrit. L'encre est séchée, l'encre du taqdir est déjà séchée. Allah a déjà pris une décision d'avance. Qu'Allah t'aide à tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de tirer le son, et surtout pour revenir au premier verset, qu'Allah nous donne les sifats complets des mu'minines dans les ibadat, dans les akhlaq, dans les relations avec la famille, avec les voisins, avec les musulmans, non musulmans, et dans la confiance en Allah.